Good morning, allez, nous sommes aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai, Ben Yitzhak, Vefani David, Ben Fortuna, Mazal Fitna, et de Rabat Esther. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Mazal Fitna, avec une bête Mishnah Dalet. Kolzman Shei Bevet Avia, Gova, Ktubata, Leolam. Kolzman Shei Bevet Ba'ala, Gova, Ktubata, Ad Esrim, Vechamesh Shanim, Sheyesh Be Esrim, Vechamesh Shanim, Sheta Ase Tova, Keneged Ktubata. דירי רבי מאיר שאמר משום רבן שמעון בן גמליאל. והחכמים אומרים, כל זמן שהיא בבית בעלה, גובה כתובתה לעולם. כל זמן שהיא בבית אביה, גובה כתובתה עד 25 שנה, שנים. מתה, יורשיה, מזכיר עם כתובתה עד 25 שנים. Je reprends un petit point qu'on a évoqué déjà maintenant plusieurs fois, que lorsqu'un homme se marie avec une femme, il s'engage que en cas de décès, il lui donnera un billet de 200 000 pour qu'elle puisse aller refaire sa vie. Repartir vivre, s'entretenir, quoi, normal. Maintenant, ça c'est la ktouba qu'il s'engage à donner. Mais à part ça, il s'engage en plus que tant que la femme désire rester vivre dans la maison de son mari défunt, que tous ses biens sont engagés à la nourrir, et à la blanchir, et à la loger, sans qu'elle diminue de son capital. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, tant qu'elle ne va pas s'intéresser à se remarier avec quelqu'un d'autre, ou se remarier, concrètement, on n'a jamais aucune idée, que, donc, par exemple, maintenant, Yaakov décède, il laisse Léa. Léa, elle continue à vivre maintenant dans la maison de Yaakov, sur le compte des fils de Yaakov, même si c'est des fils d'une autre femme, ils devront la loger et la nourrir dans cette maison-là. Vous voyez ? Donc, tous les mois, ils vont lui donner une petite pension pour qu'elle puisse aller acheter à manger, s'entretenir, avant les fêtes, acheter un petit vêtement, et ainsi de suite, avoir un petit peu d'argent de poche. Ok? C'est les engagements. Et Léa décide de vivre comme ça pendant 5 ans, 7 ans, 8 ans. On lui donne tous les mois sa pension. Après 8 ans, Léa décide que maintenant, ça y est, finalement, elle va refaire sa vie, jusqu'à quand elle va rester à pleurer, jusqu'à 120 ans. Elle va refaire sa vie, elle est encore jeune, et elle veut maintenant s'intéresser à se remarier. On va lui dire, oh, tu veux te remarier? Bon, alors tu quittes la maison, on te donne maintenant tes 200 000. On ne va rien diminuer de tout ce que tu as utilisé. Parce que tant que tu voulais rester dans cette maison-là, elle était la veuve de Réhouven, de Yaakov. On lui laisse, elle reste la veuve de Yaakov. Dès qu'elle décide de son mari, c'est fini, c'est plus la veuve de Yaakov, c'est une femme maintenant qui va refaire sa vie. Donc on lui donne maintenant le cachet qu'elle faisait, les 200 000 qu'ils s'engageaient à lui donner. D'accord? Pour le moment, tout va très bien. On va s'intéresser dans notre Mishnah à savoir combien de temps peut durer cette situation-là. S'il y a une situation comme ça, et il y a aussi une autre situation aussi qu'il faut savoir, c'est que finalement, si elle a décidé maintenant de repartir chez son père pour éventuellement se remarier, elle reste là-bas, elle reste là-bas, mais elle ne réclame toujours pas sa ktouba. Donc tant qu'elle est là-bas, on lui doit rien. On ne lui donne plus à manger. Maintenant, en théorie, on doit lui donner les 200 000. Ce qui se passe, c'est qu'elle ne vient pas les réclamer. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Les tomimes sont là, continuent à vivre, elle ne vient jamais réclamer. La question est de savoir maintenant jusqu'à combien de temps une femme, une veuve, peut réclamer la ktouba. En théorie, juste, je précise une notion simple. Il n'y a pas un chokit yashnut. Il y a une loi en Israël, je ne sais pas exactement dans quel cadre elle est dit, mais chokit yashnut. Des vieilles dettes, on ne peut pas ressortir des vieux dossiers qui datent d'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Dans la Torah, ça ne fonctionne pas comme ça. Si je vous ai prêté de l'argent il y a 60 ans, et je n'ai jamais réclamé, et on est sûr et certain que vous n'avez jamais payé, pas de couvert sur ça, je viens après 60 ans, je lui dis, hey, tu me dois 10 000, rendez-moi. Et vous devez me les rendre. On ne va pas dire, ah, mais où t'étais pendant 60 ans, t'as pas réclamé. C'était une bêtise, c'était dommage, c'était ce que vous voulez. En tout cas, ça annule pas une dette. Dans la Ktouba, c'est pas comme ça, il y a un petit détail qui n'est pas comme ça, il y a une marloquette, dans quel cas de figure précisément, une marloquette que deux avis. Parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où la femme, elle vit dans la maison du mari défunt, et le cas de figure où elle est partie dans la maison de son père. Il va y avoir une notion de 25 ans qui va apparaître, et la marloquette, elle est de savoir ce que 25 ans, c'est si elle est restée dans la maison du mari, mais si elle est repartie chez son père, elle pourra réclamer pour l'éternité. Ou au contraire, non, tant qu'elle est dans la maison du mari, elle pourra réclamer pour l'éternité. Si elle est partie dans la maison de son père, elle aura 25 ans. C'est les deux avis qu'on a dans le Mishnah, mais chacun, il va justifier ça différemment. Regardez, Kolzman Shei Bevet Avia, tant qu'elle est si elle est partie dans la maison de son père, elle est repartie vivre chez son père, Gova Ktubata Leolam. Elle pourra réclamer sa Ktuba Leolam, pour toujours, même après 45 ans.
Elle va finalement dire, ouais, je n'ai pas réclamé. Pourquoi je n'ai pas réclamé? Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réclamé. J'avais honte de réclamer, j'aime pas faire. Mais là, ça devient trop dur de vivre sans argent, donc je réclame. Elle a le droit et on lui donne. Par contre, Kolzvan Chi Bevet Ba'ala, par contre, tant qu'elle est dans le reste, dans la maison de son père, de son mari, alors Gova Ktuvata Adesim Rameshanim, elle ne pourra réclamer sa Ktuva que pendant 25 ans. Elle ne pourra rester la veuve de Réhouven que pendant 25 ans. Mais après 25 ans, c'est fini, les Tomim lui disent, allez maintenant, tu repars, on ne te doit plus rien. Et c'est assez original, parce que si ça dure pendant 24 ans, alors elle pourra réclamer les 200 000, et c'est tout. Mais après 25 ans, elle devra renoncer à sa Ktuva. Pourquoi? Et la Mishnah donne une raison assez originale, c'est « Sheyesh besrim bechamesh shanim shetase tova keneged ktuvata ». Parce que finalement, vous savez, lorsqu'on vit dans une maison, en théorie, sur le papier, ma femme, c'est une petite voleuse. Parce que tout ce qui est dans la maison, ça m'appartient. Je me suis engagé à moi, à lui donner à manger, à la nourrir, tout ça. Mais des fois, il y a quelqu'un qui tape à la porte, qui réclame un peu d'argent, elle lui donne. Une voisine qui lui demande du lait, elle lui donne un litre de lait. Mais ça m'appartient, je ne lui ai pas permis de faire ça à ma femme. En théorie. Mais seulement, je suis mochel, je lui pardonne, je la laisse, c'est pas grave, finalement. Ça, c'est vrai. Mais malgré tout, lorsque c'est la veuve qui vit sur le compte, la veuve maintenant, c'est la veuve, elle reste dans la maison du mari. Et elle dirige la maison, elle fait à manger pour tout le monde, et ça. Et aussi, la voisine, elle continue à venir réclamer. Des fois, c'est un litre de lait, des fois, c'est ça, des fois, c'est ci. Des fois... Et puis finalement, on estime qu'au bout de 25 ans de vie dans la maison, c'est sûr qu'il y a eu des pertes. De quoi payer la Ktuva entièrement. Ok, ça c'est l'avis de Rabbi Meir au nom de Rabban Shimon ben Gamliel. C'est pour ça que selon lui, donc la femme, si elle va vivre chez son père, elle quitte maintenant la maison de... Alors elle pourra réclamer pour toujours sa dette. Il n'y a aucune raison de dire qu'elle a annulé la dette. Mais si elle reste dans la maison du mari, au bout de 25 ans, on va dire, écoute, logiquement, pardon, logiquement pendant 25 ans, c'est sûr que tu as consommé de trop d'extra, et c'est sûr qu'il y a de quoi couvrir ta Ktuva. Salut, on ne te doit plus rien. D'accord? Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Mais Chachamim, mon vrai Chachamim, disent tout le contraire. Kolzanji, Bevet Baala, Govak Tuvata Lolam. Tant qu'elle est dans la maison de son mari, elle pourra récupérer sa Ktuva. Pour quelle raison? Parce que le mari s'est engagé à la nourrir et on ne craint pas qu'elle a trop utilisé ou bien que le mari, il est complètement mochel sur les petits à côté. C'est la nature d'être mochel sur les petites dettes. On ne va pas lui cumuler pour nous sortir une ardoise au bout de 25 ans que finalement, hey, ici tu m'as pris un litre de lait, et ici tu m'as pris un litre de truc, et ici tu as fait ça, et ici tu as fait ça, et... Ouais, on ne fait pas des comptes comme ça, des comptes apothicaires. Et donc, elle pourra finalement, même après 35 ans, même dire, allez, maintenant je quitte la maison du mari, payez-moi mes 200 000, on le payera les 200 000. Par contre, quand on va chez Bevatavia, mais par contre, tant qu'elle est partie dans la maison de son père, ah, et pire que ça, ouais, non. On va s'arrêter là, ça suffit déjà. Par contre, Kozmanchi Bevetavia, par contre, tant qu'elle est. Si elle est partie dans la maison de son père, alors là, on lui dit écoute-moi, Govak Tuvata, December Khamashana, tu as que 25 ans pour venir réclamer ton dû. Passé 25 ans, on va supposer que, en réalité, tu as été mochelet. Tu as pardonné la dette. Tu t'es dit tu n'avais aucune raison de ne pas venir réclamer ta dette, en fait. Il n'y a pas de honte. Il n'y avait pas lieu de quoi que ce soit. Pourquoi tu n'es pas venu réclamer? C'est sûr qu'en fait, tu t'es dit allez. Je leur pardonne. Et une chose de sûre, il faut savoir, une fois qu'on pardonne une dette, on ne peut plus la réclamer. Et donc c'est sûr qu'en fait, si tu n'es pas venu réclamer, c'est que tu as plusieurs fois songé à pardonner et à effacer la dette, et tu as réellement effacé l'ardoise. Au bout de 25 ans, on est sûr que tu l'as fait, et donc tu ne pourras plus réclamer. Et de ce fait, Meta, si elle décède, Yorsha, autre situation en fait en réalité, que une femme, une veuve qui décède, elle avait maintenant des héritiers d'un autre mari, par exemple. Maintenant, ils héritent leur mère, eux. Ils vont voir les héritiers du premier mari, et on lui dit, écoute, maintenant vous nous devez la Ktuva pour leur mère. Et ils vont la récupérer, parce que c'est un dû que les Yitomim devaient à leur mère. Donc maintenant, ouais, je reprends, je ne sais pas si vous suivez l'histoire. Yaakov, il s'est marié avec Léa. Léa, elle avait des enfants, des garçons de l'extérieur, d'un autre mari. Yaakov, il avait des enfants aussi d'une autre femme, il avait Yosef et Binyamin, et Léa, elle avait d'autres enfants d'un autre mari. Quand Yaakov décède, Léa, elle a le droit de réclamer sa Ktuva des enfants de Yaakov. Si Léa décède, les enfants de Léa vont venir réclamer des enfants de Yaakov, vont venir réclamer la Ktuva. Donnez-moi ce que vous deviez à notre mère. D'accord? Ben aussi, on leur donne aussi que 25 ans, pour la même raison que après 25 ans, si elle n'a pas réclamé, c'est qu'on suppose que la dette elle a été effacée aussi. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.